me. Qui êtes-vous, monsieur? Que faites-vous chez moi? C'est à vous que je parle. Qui êtes-vous, monsieur? Ah! Que voulez-vous? Qu'êtes-vous, s'il vous plaît? Le bâtard ne nous reconnaît plus. Il a volé dans notre marmite de soupe et voilà qu'il ne nous reconnaît plus. Marmite de soupe? Je ne comprends pas. Je n'ai même pas de soupe. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Vraiment? Si vous êtes des kidnappeurs, je suis la mauvaise personne. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail. Je suis la mauvaise personne à kidnapper. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi, s'il vous plaît. C'est une autre personne. Race! Regardez-le. Après avoir couché avec nos femmes, tu as encore le culot de faire la gueule comme ça te chante. Estime-toi heureux. Estime-toi heureux que je sois actuellement avec mes amis. S'il n'était pas là, je t'aurais juste découpé en petits morceaux et donné cela à mes chiens. Nous n'avons pas besoin de faire ça. Nous devons rester focus et s'assurer de bien mener notre plan. Le découper en morceaux ou en 1 million de morceaux ne résoudra pas notre problème. Nous pouvons le faire plus tard. Qui sont vos épouses, s'il vous plaît? Seigneur, qui sont vos épouses? Parlez-moi, qui sont-elles? Célestina et Lara. Est-ce que ces noms te disent quelque chose? Ça te revient? Je suis désolé. Écoutez, je suis désolé. Je le jure. Je le jure au nom de Dieu. Je ne savais pas qu'elles étaient mariées. Je ne savais pas. Pause. Écoutez, elles m'ont payé pour coucher avec elles et leur faire passer un bon moment. Et c'est moi qui faisais le plus gros travail. Jésus. Catherine t'a payé pour coucher avec elle avec mon argent durement gagné? Intéressant. C'est encore plus intéressant que ce que je pensais. Catherine. Qu'est-ce que tu es exactement? Une sorte de serviette, c'est ça? Tu vas à travers des villes, à la recherche des femmes riches à arnaquer, c'est bien ce que tu fais, hein? Non, elles m'ont trouvé. Elles t'ont trouvé parce que tu es une sorte de trésor, pas vrai? Je vais te donner un conseil. Commence à chercher les mots que tu adresseras à Dieu, le jour du jugement dernier. Parce que je te promets que tu en auras besoin. Tu lui rendras visite ce soir. Ça, je te le promets. Non. S'il vous plaît. Écoutez, j'ai dit que j'étais désolé. Hein. Si je savais que c'était vos épouses, je ne les aurais pas touchées. Je vous en prie. Allô? Oh, ouais. Attendez-moi juste au carrefour. Ne bougez pas. On te retrouve là-bas. Les gars, le boucher est là. Nous devons aller le voir. Le boucher? Mais quel boucher? S'il vous plaît. Sale rat. Ouvre là. Et allons le chercher. S'il vous plaît, qu'allez-vous faire de moi? Hein? Oui! S'il vous plaît! Hé, hey, qu'allez-vous faire de moi? Hé! Hey, Baba, voici la viande que tu dois découper en petits morceaux. Nous avons assez de sacs dans lesquels nous allons mettre son corps dépiécé dès que tu auras terminé. Maintenant, vous pouvez commencer. Ce n'est pas un problème. Mon argent? Quel argent? Vous n'avez pas encore fait le job? Ah, je ne suis pas venu pour faire un discours. Mettez mon argent dans la poche et je ferai le travail.
En passant, c'est un autre type de viande que vous souhaitez que j'égorge pour vous. Baba, ne t'inquiète pas, je vous ferai un transfert. J'ai toujours vos informations bancaires. N'est-ce pas 200 000 ? C'est ça ! Baba, s'il vous plaît. Je suis l'enfant unique à mes parents. Et mes parents sont très vieux. La ferme ! La ferme ! Quand tu étais occupé à voler leur argent, ignorais-tu que tes parents étaient vieux ? Monsieur, je n'ai pas volé leur argent. Je suis couché avec leur femme. Et j'ignorais qu'elle était mariée en ce moment. Je le jure. C'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai. M'avez-vous emmené ici pour abattre ce jeune homme ? Juste parce qu'il a couché avec vos femmes ? Oui, c'est exact. Il a couché avec nos femmes. Hein ? N'est-ce pas, tu voles ? En ce qui nous concerne, c'est du vol. Tant qu'on ne lui a pas donné autorisation de coucher avec une femme, il est considéré comme un voleur. Baba, monsieur le boucher, mais pourquoi faites-vous profil bas ? Jeunes hommes. Je ne vais pas tuer ce garçon juste parce qu'il a couché avec vos épouses. J'ai horreur des voleurs. Mais je me fiche des hommes qui sont incapables de contrôler leurs épouses. Oh mon Dieu. Samuel, tu nous as dit que cet homme est le meilleur dans ce genre de job. Donc c'est ça qu'on va recevoir? S'il te plaît, reste calme. Calme-toi. Ne me demande pas de me calmer. Pourquoi je devrais me calmer? Ce fils de pute couche avec Catherine depuis 7 longs mois. Et vous me demandez de me calmer. Ce mec a couché avec Catherine depuis 7 longs mois. Ah! Ce n'est pas là le plan. Est-ce que vous savez ce que je reçois actuellement? Écoutez, j'ai juste couché avec elle. Et j'ai couché avec elle parce qu'elle a dit que vous n'êtes pas viril. Et que vous avez un petit pénis. Écoutez, si cet homme que vous avez ramené n'arrive pas à faire son job, je vais personnellement le faire. Reprends-toi en main. Qu'est-ce qui t'arrive? Austin, tu dois nous écouter, ok? On doit s'en tenir au plan. Ou alors sa mort sera liée à nous. Et je suis sûr que c'est pas ce que tu veux. Écoute, il faut que tu calmes tes nerfs. Vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu quand il a dit que j'ai un petit pénis. Et je n'ai pas un petit pénis. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Austin, vous avez un... Hey, mon ami, tu peux me la boucler? Au cas contraire, quelque chose de terrible va t'arriver ce soir. Comme quoi, par exemple? Dis-moi, comme quoi? Que peut-il être pire que la mort que vous avez réservée pour moi? Vous voulez me découper comme de la viande? Laissez-moi parler, laissez-moi dire les choses telles qu'elles sont. Écoutez, monsieur Austin, vous n'êtes pas viril au lit, vous avez un petit pénis. Votre femme a dit que vous n'êtes pas viril au lit, et son problème avec vous, c'est que le fait que vous lui avez caché, que vous ayez un petit pénis quand vous sortiez ensemble. Vous lui avez menti, maintenant vous voyez où nous en sommes. Voyez ce que vous nous avez causé. Je ne suis pas responsable de ça. La femme. Austin, ouais. S'il te plaît, attends. Où est-ce que tu vas? Bébé, je sors là. Je reviens bientôt, ok? Tu sors? Ouais. Mais avant que tu ne sortes, j'aimerais qu'on termine quelque chose là-dedans. Et qu'est-ce que c'est? Austin, je veux que tu me fasses l'amour. Nous devons avoir des rapports aujourd'hui. Bébé, écoute, je te ferai l'amour autant de fois que tu voudras. Il est très important que j'aille maintenant et à mon retour. Austin, cela n'arrivera pas. Je suis dans cette maison depuis hier, et toi, tu ne fais que m'éviter. Tu m'évites depuis hier jusqu'à présent. Austin, c'est quoi que signifie tout ça? Je reviens bientôt. Fais-moi confiance. Non, Austin, attends. C'est très important. Non, Austin, attends. Tu sais, ça fait 7 mois qu'on sort ensemble. Tu n'as pas essayé de me toucher, même pas une fois. Qu'est-ce que ça signifie? Tu veux que je sorte, que je me mette à crier et que je cherche un homme pour me satisfaire? Bébé, je t'aime. C'est ce que tu veux que je fasse? Je t'aime. Non, mais et attends, je vais te faire l'amour au bon moment, attends, idéal. Que je te pose une question. Laquelle? Tu as un problème? Un problème? Non, mais sérieux, est-ce que tu as un problème? Mais quel genre de problème? Voilà, tu ris. Tu penses que c'est drôle? T'es entré dans toutes les pièces de la maison. Tu vas me faire l'amour aujourd'hui. Toi et moi, on aura les rapports aujourd'hui. Non, bébé, je dois partir, s'il te plaît. Viens me faire l'amour. Dans un coin ce soir, alors qu'elle était assise toute seule et buvait un verre de vin rouge, c'était inhabituel de voir une jolie femme comme elle s'asseoir et boire toute seule dans ce coin particulier. C'était même très surprenant de la voir finir toute une bouteille de vin toute seule. Hey, salut.
vous ressemblez, dès le moins, à une amie que je reconnaissais. Elle s'appelait Solitude. Mais appelez-moi Raymond. Bonsoir. Bonsoir. Alors, que fait une aussi jolie fille que vous, ici toute seule? Je prends juste du bon temps. On dirait que vous avez besoin d'un ami. Je n'ai pas besoin d'un ami. Oh que si. En vous regardant, belle femme, beaux yeux, belles lèvres. Vous êtes bien foutu et la seule chose qui semble être perdue, c'est un ami. Donc, je pense que... Estimez-vous heureuse que je sois disponible à être votre ami aujourd'hui. Alors, que dites-vous de notre nouvelle amitié entre amis? Je veux que vous me fassiez l'amour ce soir. Est-ce une chose que vous pouvez gérer? Vous voulez dire... coucher ensemble? Catherine ne dirait jamais une chose pareille. Combien de temps vais-je rester là à écouter ce crétin raconter des mensonges et des conneries? C'est vrai. Nous ne sommes pas ici pour écouter les histoires de cet imbécile. Des histoires à la con. Nous devons faire quelque chose pour le faire taire. Une bonne fois pour toutes. Baba. Allez vous faire ce pourquoi on vous a payé. Ou alors vous comptez rester là et regarder tout ceci comme un film. Je ne comprends pas. Quel est le problème, monsieur le boucher? C'est évident que cet homme n'est pas le boucher qu'il fallait qu'on embauche. Jeune homme, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais ne m'insultez pas. Je viens d'une longue lignée de grands bouchers. Et je suis l'un des plus grands de ce pays. Alors, prouvez-le-nous. Qu'est-ce que vous abattez? Des poissons? Prouvez-le. Découpez-les en morceaux, maintenant. Prouvez-le. Oui. Oui. Vous m'avez menti. Vous m'avez menti. Vous m'avez dit que vous avez attrapé un voleur qui a volé vos affaires. Mais c'est un voleur. Je l'ai pris pour les chèvres, les bœufs et les animaux que j'abats. Et je n'aurais pas cligné de l'œil pour lui faire passer de vie à trépas. Mais à présent, là je découvre qu'il n'a rien fait d'autre que de coucher avec vos épouses. Eh bien, pour ma part, il a le droit de se défendre. Baba, je vous ai fait venir ici pour ce travail parce que j'avais confiance en vous. Maintenant, vous me faites croire que j'ai fait une erreur. Alors, vous savez quoi? Remboursez-moi l'argent que je vous ai payé pour ce travail et foutez le camp de ce lieu. Dégagez! Je n'irai nulle part. Je veux écouter l'histoire de ce jeune homme. Je veux en savoir plus jusqu'à la fin. Pour écouter plus de mensonges? Ce mec-là est un fichu menteur. C'est ça que vous voulez écouter? Baba, je ne mens pas. Je dis les choses telles qu'elles sont. Catherine, sa femme, m'a dit qu'ils étaient mariés et que le premier jour qu'ils ont essayé d'avoir du sexe, elle était déçue. Baba, elle était choquée. À cause de la petitesse. Donc, elle était choquée. Et elle est sortie de la maison. Et c'est là qu'elle m'a rencontré. Elle voulait se mettre à l'aise. Baba, s'il te plaît, j'ai très mal. Tu sais, ça a vraiment été douloureux et très dur pour moi. Tu sais, mon mari et moi nous sommes mariés depuis 3 mois maintenant. Et jamais nous n'avons fait l'amour. Même quand on sort ensemble depuis 1 an. On n'a jamais couché ensemble, même pas une seule fois. J'ai cru que cela allait changer une fois marié, mais il ne s'est rien passé. Et après, j'ai reçu le plus gros choc de toute ma vie. Un peu plus tôt dans la journée,
Et quand il a essayé de me pénétrer, j'ai découvert que son pénis est vraiment, vraiment très petit. Vraiment, vraiment très, très petit. Plus petit que mon tout petit doigt. C'est tellement faux. C'était tellement choquant, alors j'ai pas pu le supporter. Alors je suis allée au bar pour me rafraîchir les idées. C'était vraiment de trop. Écoute, je suis vraiment désolée si je t'agace avec... Je voulais juste quelqu'un qui parlait. C'est bon, tu peux me faire confiance. C'est bon. Attends une minute. Tu es mariée? Non, et je n'ai pas le projet de me marier. D'accord. Bien. Eh bien, cela veut dire que tu vas être mon ami spécial. Bien sûr. Ne t'en fais pas, je suis là pour toi, d'accord? Mm-hmm. C'est comme ça que tout a commencé entre Catherine et moi. À cette période, je vivais dans un appartement avec une seule chambre. Catherine m'a fait déménager de cet appartement et m'a acheté cet endroit. Ah, très bien. C'est ça, tu ne voulais pas que j'en parle. Voilà, tu vois. Pour commencer, ça te plaît? Eh bien, c'est un bel endroit. Attends, que faisons-nous là? À qui est cet appartement? Eh bien, alors, quand est-ce que tu comptes inaugurer ton nouvel appartement? Mon appartement n'est pas ici. Il est... Tu te rappelles? Tu oublies de le manger. Oh, mon Dieu. Attends. Essaie-tu de me dire quelque chose? Écoute, juste va dans ton frigo et apporte-moi quelque chose à boire ou alors je dois tuer quelqu'un pour pouvoir boire quelque chose chez toi. M'as-tu offert un appartement? Oui. Attends, tu m'as acheté un appartement? Mm-hmm. Attends. Ok, vas-y. Tu m'as acheté un appartement? Mm-hmm. Oh, viens là. Oh, j'adore. J'adore. En fait, oh, il est magnifique. Oui. Tu veux dire que c'est mon appartement? Oui, nous pouvons nous amuser autant que nous le voulons ici. En parlant de ça, tu as dit que tu voulais boire? Ouais. Tu veux boire du frigo ou tu veux boire de ce frigo? À ton avis. Mmh. Ok. Laisse-moi donc te donner à boire. Je veux te donner à boire tout de suite. Oui, Catherine m'a donné cette maison. Mais il y a aussi mis quelques restrictions. J'ai su l'une d'entre elles dans des circonstances terribles. Ouais, j'arrive. Salut, bébé. Hey, Catherine. Hey, mmh. Comment tu vas? Oui, je vais bien, mais je croyais que tu t'es envoyé d'affaires rugonner avec ton mari. Bien, j'ai trouvé le moyen de me retirer. Donc nous avons 6 jours rien que pour nous deux. 6 jours rien que pour nos bébés. Raymond? Raymond? Et qui est-elle? Raymond, qu'est-ce qui se passe ici? Oui, Raymond, que se passe-t-il ici? Écoute, je vais laisser passer juste pour cette fois. Maintenant, dis à ta petite copine de sortir d'ici. Petite copine? Raymond, qui est cette femme? Et pourquoi me parle-t-elle avec un ton aussi condescendant? Écoutez, je vais vous parler comme cela me chante. Parce que je suis sa femme et que cet endroit m'appartient. Maintenant, vous allez sortir d'ici avant que je ne vous arrête les 5 prochaines secondes. Oh mon Dieu, Raymond! T'es un sale porc! Tais-toi et ne me traite pas de porc, d'accord? S'il te plaît, va-t'en. Pourquoi ne m'avais-tu pas dit que t'avais une femme? Pendant tout ce temps où tu me courais après? Pourquoi? Oh, écoute, je ne te courrai pas après, d'accord? Raymond! Ne me touche pas comme ça.
Je ne t'ai pas couru après, moi. Tu me retrouves toute seule. Je ne t'ai rien demandé. Raymond, qu'est-ce qui se passe? Va-t'en. Va prendre tes affaires et va-t'en. Mais vas-y. D'ailleurs, mets-toi d'ailleurs. Tout de suite. Raymond? Mais va-t'en. Attends, tu vas la laisser me foutre à la porte? D'ailleurs, mets-toi d'ailleurs. Tout de suite. Raymond! Va-t'en. On te demande de partir, mais tu refuses. Ah! Les jeunes filles de nos jours. Ah! Je suis désolé. D'accord? Raymond, écoute, que ce soit la toute dernière fois que je vois une autre femme dans cette maison, est-ce que c'est clair? Oui. Maintenant, retrouve-moi dans la chambre. Je suis venue te faire la mort et je veux le faire maintenant. Je suis venue faire la mort. Je suis venue faire la mort. Je le fais tout de suite. Raymond! Oui. Vraiment. Ne suis-je pas assez pour toi? Je veux dire, est-ce que je ne te donne pas tout ce que tu veux? T'es assez pour moi, bébé. Je veux dire, tu es le rêve de tout homme. Alors pourquoi as-tu ramené cette fille ici? Écoute, Raymond, je t'aime vraiment beaucoup. Et je ne veux pas que quoi que ce soit affecte notre relation. Tu es la raison pour laquelle mon mariage fonctionne toujours. Je veux dire, oui. Comment? C'est très important. Eh bien, tu satisfais mon corps. Et Austin s'occupe de mes besoins matériels. De cette façon, je reste heureuse et je me concentre à faire son bonheur également. Néanmoins, je veux que les choses soient claires. Comme quoi et quoi? Je ne veux plus voir aucune autre femme dans cette maison. Plus jamais. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Ok. Excuse-moi. Quand exactement est-ce que ma femme t'a-t-elle acheté cet appartement? Un mois après qu'on ait commencé à se voir. Ça doit être au mois de janvier. Oh, en janvier? Oh mon Dieu. Ça doit être la même période où Catherine m'a dit qu'elle voulait 25 millions. Que c'était pour commencer un business. Et je me suis demandé pourquoi une aussi grosse somme? Pourquoi une grosse somme? Que veux-tu faire avec? Et elle m'a sorti une histoire du genre qu'elle avait commencé à voir grand. À présent, je peux dire qu'elle a dépensé environ probablement 20 millions pour t'acheter cet appartement. Et le reste des 5 millions pour les meubles. Catherine a acheté à son amant une voiture. Un appartement et elle a meublé avec mon argent durement gagné. Tout ça avec mes propres frais. Jeune homme, donc votre femme lui a acheté un appartement et lui a demandé de ne coucher avec aucune autre femme. Jeune homme, vous ne pouvez pas blâmer ce garçon ici présent, mais votre femme... Fermez-la! Fermez-la, Baba Ogo! Je vous ai appelé ici pour parler! Si j'entends encore ce genre de bêtises, vous allez regretter d'être né. Tu nous as dit tout ce que tu savais au sujet de Catherine. Tu nous as dit comment vous vous êtes rencontrés. Maintenant, dis-moi toi à propos de Célestina. Et quand je dis tout, monsieur, écoute-moi très bien, quand je dis tout,
Ça veut dire que je veux tout en détail. Monsieur Fidelis, je ne pense pas que vous voudriez savoir pour l'autre CEO. Et que tu veux absolument tout savoir à propos de ma femme. Si j'étais vous, je laisserais passer l'autre CEO. Je voudrais tout savoir. Catherine nous a présenté. Catherine t'a présenté ma femme. Tu veux dire, Richard, elle t'a livré ma femme, c'est ça? Écoute. Je comprends que nous soyons de bons amis, mais un peu de respect. C'est de ma femme dont on parle là. Un peu de respect? Oui. Que veux-tu dire par là? Ce mec vient de dire que ta femme, ta folle de femme... Mais qu'est-ce que... Magnifique et adorable. Wow, je ne comprends pas. Mais pourquoi parles-tu comme si elle était un bébé qui prend encore du lait à ma mère? S'il te plaît, vas-tu la fermer? S'il te plaît, vas-tu la fermer? Parce que tout le monde sait que ta femme est la plus sauvage. Elle a présenté ma calme, douce, facile à vivre, Célestina, à son amant. Et pourtant, tu... Célestina, facile à vivre. Hein? Célestina, il n'y a rien de doux ni de facile à vivre à son sujet. C'est même elle alors. Douce, Célestina. Oh. Que veux-tu dire? Je vous en prie, s'il vous plaît, laissons cette affaire de Célestina, hein? Ça peut vous mener au suicide. Je sais de quoi tu parles. Laissons. De quoi est-ce que tu parles? Ok. Non. De quoi parles-tu? Pas maintenant, laisse-le parler. Ne me tue pas, permettez-le. Ne me tue pas. Oui? Hey, bébé. Bébé, comment tu vas? Je vais bien. Hey, salut. Salut. Bienvenue. Hey, comment tu vas, bébé? Je vais bien. Et toi, comment tu vas? Je vais bien, très bien. Célestine. Oui? Je te présente mon bébé. C'est le beau mec qui fait de ma vie un paradis. Raymond, je te présente mon amie Célestina. Célestina, sois la bienvenue chez moi. Enchantée, merci. Oui. Et tu m'as manqué. Tu m'as également manqué, bébé. Mm-hmm. Tu es sérieuse? Mm-hmm. Hey! Mais que se passe-t-il là? Bébé, juste détends-toi, d'accord? Elle me touchait par le dos. C'est bon. Bébé, nous devons parler. Ok. Comme je le dis un peu plus tôt, elle, c'est Célestina. Et, oui. Cette femme a absolument besoin d'aide avant qu'elle ne perde la tête. Et je pense que tu es l'homme idéal pour l'aider. Oui, mais cela n'a aucun sens. Je comprends. Tu sais quoi? Je vais laisser le soin à Célestina de t'expliquer elle-même les choses. Bon, le truc, c'est que je me suis mariée depuis 2 ans déjà. Et durant ces 2 années, tout ce que j'ai obtenu de mon mari, c'est toujours moins de 10 secondes de sexe à chaque fois. Désolée, juste 10 secondes? Oui. Tu te fous de moi, n'est-ce pas? Non, sans blague. 10 secondes. Et parfois, ça vient quand on n'a encore rien fait. Wow. J'ai essayé d'endurer tout ce temps, mais à ce rythme, j'ai peur de ne plus le supporter. Tu as besoin d'une très bonne église. Bébé, en fait, c'est là que tu entres en jeu. Et tu seras cet homme-là qui va faire que mon ami se sente femme à nouveau. Mais qu'est-ce que tu racontes? Raymond. Ne me touche pas, ok? Je veux t'entendre. Je ne suis pas une femme qui s'amuse, ok? Si tu me rends heureuse aujourd'hui, je vais t'acheter une voiture sans tarder. Et bien sûr, de beaux jours seront à venir. Tout ce que tu as à faire, c'est de me rendre heureuse. C'est tout ce dont j'ai besoin. Quoi? De quelle voiture parlons-nous? Tu dois juste le citer. Une voiture de ton choix. Je la trouverai pour toi. Et tout ça, je te donnerai tout ce que tu veux. Vraiment tout.
Cette femme était une tigresse. Elle m'a épuisé, comme aucune femme ne l'avait jamais fait auparavant. Le soir de la première fois que j'ai rencontré Célestina, j'avais l'impression que je marchais avec des pierres qui pendaient le long de mon corps. On l'avait déjà fait à 7 reprises. Et elle semblait ne pas du tout être satisfaite. Oh mon Dieu, elle est un vampire. Elle est partie de 10 secondes, mais elle veut 10 heures. Ça n'a aucun sens. Putain. Bébé. Hey. Tu as dit que tu voulais un verre d'eau. Comme tu as tardé. J'ai décidé de venir te trouver ici. Oui, j'avais juste besoin d'une ou deux minutes pour moi, tu sais. Juste pour reprendre des forces. Retourne dans la chambre, j'arrive. Non. Je ne veux pas te laisser là. Rentrons dans la chambre. Non, je veux dire, ça fait déjà 7 fois, tu vois. Et il n'y a rien à manger pour prendre un tout petit peu. Bébé, ne t'en fais pas. Bientôt je rentre chez moi. Donc, t'as toute la nuit pour te reposer. Bébé, tu étais à 10 secondes. Et là, je t'ai donné plus que ça. S'il te plaît, baissons le rythme, ok? Souviens-toi que ta voiture est en route. Oui. Va dans la chambre. Le temps que je puisse finir ma cigarette, d'accord? J'arrive. Non, non, non. La chambre est très loin. Je le veux ici. Non, chérie, mais dans la chambre. Bébé, tout de suite. Viens. Ok. Laisse-moi faire. Tu vas adorer. Arrête! J'ai dit arrête! La femme que tu viens juste décrire n'est pas ma Célestina. Ça peut pas être ma femme. Écoute, mon truc est peut-être minuscule, mais je crois qu'il pourrait tenir plus de 10 secondes. Austin, écoute, je ne vois absolument rien dans cette pièce qui puisse faire rire. Seulement 10 secondes. Écoute-moi, il n'y a rien de drôle ici. Mais non, il n'y a rien de drôle, c'est juste une question de 10 secondes, ok? Écoute, mon pote, je suis vraiment désolé, ok? J'ai juste une petite histoire pour nous tous. Il y a juste quelques minutes, cet idiot-là a dit que j'avais un petit pénis. Mais tout de suite là, je viens de me rendre compte qu'un petit pénis peut résister 40 minutes ou une heure. Je veux dire, assez longtemps pour satisfaire une femme. Mais toi, juste 10 secondes. Oh mon Dieu. Je te jure que je vais te frapper. Non, je te le jure, tu sais pas qui tu parles. Quoi? Je te jure, je vais te casser la gueule. Frappe-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, frappe-moi, fils de pute. Qu'il te dise ce qui ne va pas chez lui. Calmez-vous. Nous sommes là pour une mission, qui nous pour se battre les uns les autres. Seulement 10 secondes. Vous devez arrêter ça.
Vous devez arrêter. Ce sont les 10 secondes qui posent un problème. Non, mais qu'est-ce que tu... les gars, arrêtez. Je suis tranquille. Vous savez bien que vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé entre nos épouses et ce gars. Mais nous pouvons également corriger les choses. Nous allons juste nous rassurer que ce gars ne manque plus jamais de respect aux femmes des gens, même dans sa prochaine vie. Il n'aura pas d'autre vie. Il doit mourir. Il n'y a pas de prochaine vie. Il va mourir et mourir et continuer de mourir. Babao. Oui? Je vous ai spécifiquement engagé pour ce travail parce que vous êtes mon principal fournisseur de viande depuis de nombreuses années. Permettez-moi de vous poser cette question. Répondez-moi clairement. Êtes-vous prêt à tuer et découper cet asticot en plusieurs morceaux? Parce que le temps, nous n'en avons plus assez. Non. Pardon. Je suis un homme de parole. Vous me connaissez depuis des années. Et vous savez que je ne dis pas des mensonges. Ok. Si vous m'aviez dit que vous vouliez tuer ce jeune homme juste parce qu'il couchait avec vos femmes, je ne serais pas venu. Alors c'est ça? Alors dans ce cas, foutez le camp de ce lieu. Ok, je m'en vais. Non, laissez les couteaux. Pourquoi faire? Pour faire ce dont vous êtes incapable. Oh. Je ne peux pas vous laisser avec mes couteaux. Après tout, vos femmes l'ont payé pour coucher avec elle. Je ne vois pas où il a fait quelque chose de mal. Hey, quelqu'un pourrait-il faire taire cet homme? Sinon, je vais le battre copieusement. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Laissez ces couteaux. Ok. Je vais le tuer. Mais à une condition. Laquelle? Que vous, Samuel, le laissez nous raconter l'histoire. Comment lui et votre femme se sont rencontrés? Non. Je ne veux rien entendre concernant ma femme. Et Samuel, peu importe. Laisse-le raconter l'histoire. Je ne voulais... Baba, tu dois partir. Baba, vous devez partir. S'il s'avère que... Non. Baba, vous devez partir. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai dit assez! Salut, Raymond. Bonjour, excusez-moi, on se connaît? Non, pas vraiment. Mais moi, je vous connais, monsieur Raymond. Et vous êtes l'homme que je recherche. Vous me cherchez. Désolé, vous êtes qui déjà? Pourquoi n'irons-nous pas quelque part nous asseoir, vous savez? Juste pour discuter, nous avons beaucoup à nous dire. J'ignore toujours qui vous êtes. Il est hors de question pour moi de m'asseoir et causer avec une inconnue. Passez une bonne journée. Excusez-moi. Je n'ai pas fini. Catherine m'a dit que vous ne serez pas une noix facile à casser et je constate qu'elle avait raison. Vous connaissez Catherine? Ouais, c'est une très bonne amie. Je veux dire, c'est elle qui a recommandé cette rencontre et cette discussion. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Lara. Lara m'a mené dans un bar, on s'est assis et on a causé. Elle m'a dit que son mari était impuissant. Et que, depuis qu'elle s'était mariée, elle n'a jamais eu de rapport avec lui. Mais qu'il était très riche. Du coup, elle avait peur de le tromper et qu'il le découvre et qu'il la foute hors de sa vie. Mais Catherine lui avait parlé de moi. De... mes prouesses, lorsqu'il s'agit de satisfaire une femme et de rester discret à ce sujet. Et d'ailleurs, la maison que m'a achetée Catherine était un lieu sûr pour pouvoir gérer ça. Mais ce jour, je l'ai ignoré. Que veux-tu dire par « tu as ignoré ma femme » hein? J'ai des preuves pour prouver que vous avez couché avec ma femme pendant plusieurs mois de cela. J'ai ignoré votre femme ce jour-là, mais je n'ai pas dit que je l'ai ignorée pour toujours. Je vois.
Tu es très malin, n'est-ce pas? Sans problème. Monsieur Samuel, j'ai ignoré votre femme et je suis parti. Je croyais qu'elle avait compris que je ne voulais rien avoir avec elle. Mais je n'avais aucune idée des problèmes qui m'attendaient à la maison. En fait, j'étais surpris de rentrer à la maison et de voir Catherine assise à côté de Célestina. Cela n'était jamais arrivé. En fait, elle venait toujours un jour après l'autre. Pour vous dire vrai, en fait, Célestina demandait toujours l'accord de Catherine avant de venir chez moi. Mais là, elles étaient toutes les deux dans ma maison. Raymond, pourquoi t'es-tu conduit de la sorte avec Lara aujourd'hui? Je pensais que tu étais un gentleman, pas un pauvre Goudia. Catherine, comment peux-tu m'envoyer quelqu'un sans m'informer d'abord? Mais dis-moi, j'ai l'air de quoi pour toi? Une sorte de cochon d'un truc de ce genre? J'ai l'air de ça pour toi? Waouh, ton petit gars en a plein la gueule aujourd'hui. Hé, Célestina, reste en dehors de ça, ok? Reste en dehors de ça. Bien, je ne pense pas que ça pourra être possible. Sachant que Lara, qui est mon amie intime, souffre dans son foyer. Nous l'avons envoyée vers toi, mais tu l'as rejetée en la blessant. Bien. Vous m'avez envoyé quelqu'un sans m'informer que la personne devait venir me voir en premier. Putain, pour l'amour du ciel. J'étais posé dans mon coin et quelqu'un m'a juste rentré dedans. Juste comme ça. Je devais juste m'asseoir là-bas et lui faire une audience. Hein? Mais attendez, c'est la tendance maintenant? C'est ça votre nouvelle tendance? Tu vas commencer à m'amener tes amis l'une après l'autre et je suis censé leur donner du plaisir sexuel? Tu auras la prochaine sur la liste. Une psychopathe? Ou alors une énorme femme avec de l'hépatite? Hein? J'ai l'air de quoi à vos yeux? Une sorte de glace ou bien? Raymond, tu sais que je t'aime beaucoup. Tu sais que tu comptes beaucoup pour moi. Et donc je ne te manquerai pas consciemment de respect. Écoute, Lara est une amie très spéciale pour nous et elle souffre énormément. Elle est mariée depuis 2 ans à un homme impuissant. Et à présent, elle doit rester dans son foyer et trouver les moyens de se satisfaire. Et suis-je le sauveur du monde? Suis-je son pasteur? Suis-je son président? Suis-je venu sauver ce putain de monde? Mais non! Tu ne me comprends pas. Le problème, en fait, est le fait de m'envoyer quelqu'un sans m'informer que la personne va devoir venir me voir. Mais putain, c'est ça le problème. Raymond, s'il te plaît, fais ça juste pour nous. Et je promets que nous allons te rendre heureux, plus heureux que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Super, super heureux, en fait. Lara a déjà prévu un voyage pour vous aux Bahamas. Et elle est prête à te gâter. Tout ce que tu as à faire, c'est de la satisfaire. Rends-la heureuse. La satisfaire? Donc, maintenant je suis une glace, pas vrai? Mais non, je suis un shawarma. Oh non, mais donnez-moi le nom d'un plat. Quel genre de plat suis-je? Voyons, Raymond. Du poisson? Du poulet? Du bœuf? Voyons, Raymond. Qui suis-je? Voyons. Il ne s'agit pas de ça. Lara est venue me voir ce soir-là. Elle était très timide. Je veux dire, elle était extrêmement timide. Je savais que je devais faire tout et n'importe quoi pour pouvoir la mettre dans l'ambiance. Puis qu'elle n'avait pas été avec un homme. Avec un vrai homme. Depuis très longtemps.
Arrête! Arrête! Arrête ça! Ouais, je suis impuissant. Mais je suis sous traitement. Et ce n'est pas une bonne excuse pour Lara de me tromper. Je le suis. Lorsqu'elle sortait et couchait avec une fille de l'université, je voulais faire quelque chose à ce sujet. Je voulais réagir, mais j'ai décidé de faire l'aveugle parce que c'était juste avec une fille. Même après qu'on se soit marié, je l'ai su quand elle sortait à des heures tardives. J'ai cru que c'était la même fille. Je ne savais pas que c'était avec cette asticot. C'était... Vous imaginez la peine lorsque Osine est venue nous dire que nos femmes... Nos femmes... Laissez-moi. Je vais le tuer. Calme-toi. C'est bon, calme-toi, d'accord. Ce mec est très violent. C'est ton fou. Calme-toi, t'inquiète pas, il sera puni. C'est exactement comme il a dit. Et d'ailleurs, j'étais le premier à découvrir que nos femmes nous trompent. Ou encore, j'étais le premier à découvrir que Catherine me trompait, moi. Et un jour, j'ai réalisé que Catherine sortait toujours et utilisait son business comme excuse. Je ne voulais surtout pas m'inquiéter. Mais néanmoins, j'ai commencé à planifier. Et un beau jour, Catherine était tellement bien habillée. Elle était rayonnante. Pour une femme qui ne m'avait pas demandé du sexe pour les 3 derniers mois. Même pas une seule tentative. Mais elle est sortie ce jour étant toute joyeuse. Cela avait directement attiré mon attention et j'avais décidé de suivre Catherine immédiatement qu'elle soit sortie de la maison. Et tout ceci à cause de cet homme. Toi! Comment oses-tu, Austin? Comment oses-tu traiter ma femme de pute, de tricheuse? Comment oses-tu? Fidelix, je l'ai suivie. Est-ce que tu m'as entendu? T'as entendu ce que je venais de dire? Écoute-moi très bien, tu peux t'estimer que tu sois l'un de mes amis intimes. Je t'aime beaucoup, sinon je t'aurais explosé la cervelle avec une bouteille. Comment oses-tu raconter des conneries au sujet de ma femme? Austin, Fidelix. Comment? Fidelix, écoute-moi. J'ai vu ta femme. Elle sortait de la maison d'un autre homme. Et elle était à moitié nue. Et elle portait son tricot, son bermuda et même ses sandales. Et dans cette même maison, j'ai vu ma propre femme. J'espionne cet homme depuis plus de 3 semaines. Écoute, que tu le veuilles ou pas,
Sache que nos femmes nous trompent. Fais-moi confiance. Austin. Oui. Célestina. Et dans son magasin au moment où je te parle. Ok. C'est ce que tu dis. À ce que je sache. Ok. Le magasin de ta femme n'est pas très loin d'ici. Je peux t'y emmener et te ramener ici. Si on arrive là-bas et que ta femme est au magasin, c'est super. Mais si on y va et qu'elle n'y est pas, que feras-tu? Si nous arrivons là-bas et qu'elle est au magasin, tu pourras me tuer. Peu importe ce que tu voudras me faire, fais-le. Ta femme te trompe, mec. Fais-moi confiance, je l'ai vue de mes propres yeux. J'avais du mal à y croire. Célestina, en train de fumer. Je ne savais pas qu'elle fumait. Et sa femme avec laquelle j'ai vécu depuis toutes ces années, à la maison. Et j'ignorais qu'elle fumait. La voir s'amuser avec cet idiot. La voir s'amouracher devant cette maison, publiquement, m'a dit juste une chose. Que Célestine n'en a plus rien à faire. Elle s'en fichait. Et si les gens auraient pu la voir, elle s'en fichait même. Que notre mariage soit détruit à cause de cette stupide action d'infidélité. Elle n'en avait plus rien à faire. Et c'est en ce moment que j'ai pris la résolution d'en finir avec ce bâtard. Écoute, je vais m'assurer que tu y es. Une monde pénible et honteuse. Tu vas rencontrer ton créateur ce soir, je te le promets. Un soir, Lara est sortie de la maison et elle n'est pas rentrée. Je l'ai appelée sur tous ses numéros, mais elle ne prenait pas. J'étais tellement inquiet. Tellement inquiet. Le lendemain matin, j'ai décidé de partir à la police. Question de signaler. Puis je l'ai vu entrer. En état avancé d'ivresse. Comme quelqu'un qui s'était battu avec un bœuf. Oh! Et elle m'a dit qu'elle était en boîte de nuit avec Catherine et Célestine. Seigneur. Alors j'ai appelé Catherine et Célestine. Et elles m'ont confirmé que c'était vrai, qu'elles étaient ensemble. Je ne t'ai pas convaincu. Alors j'ai décidé d'appeler Austin et Fidélix. Et je ne savais pas qu'ils vivaient la même situation avec leur épouse. C'est là que j'ai su que Catherine me trompait moi. Elle me trompait. Les gars, s'il vous plaît. Je vous en prie au nom de Dieu, pardonnez-moi. Je suis désolé. Je vous le jure. Je vous le jure au nom de Dieu. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Si j'avais les moyens, je vous jure que je ne me serais jamais impliqué dans tout ceci.
D'où s'est-elle plainte, Catherine? Elle a tout manigancé. C'est elle qui a organisé et planifié toutes les orgies que nous avons eues dans cette maison. Des orgies? Oui, toutes les orgies, nous en avons eu environ 6 ou 7 orgies dans ce salon. Mais ça ne va pas là! Désolé. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Putain! Je ne vous dis pas toutes ces choses. Parce que je suis innocent ou parce que j'essaye de prouver que je n'ai pas eu tort de coucher avec vos magnifiques épouses. Mais la vérité, c'est la vérité. Elles avaient de l'argent et en fait, elles ont profité de la situation. Elles m'ont fait faire des choses que je n'aurais pu jamais faire en temps normal. Baba, en fait, elles ont profité d'un pauvre, jeune et bel homme. Arrêtez! Je ne veux pas. Arrêtez! Si vous le tuez, vous ne connaîtrez jamais la suite de l'histoire. Tu n'es qu'un profiteur. Vous ne laisserez vos parents en vie. Asseyez-vous et écoutez le reste de l'histoire. S'il vous plaît. Je vous en prie, jeunes hommes. Si vous le tuez, vous n'écouterez jamais la fin de l'histoire. S'il vous plaît, est-ce que je peux l'avoir? Il est très délicat. Tu ne saurais même pas comment en faire usage. Ceci, en fait, m'avait été offert par mon grand-père. Mon grand-père l'avait toujours avec lui. Et c'est très important pour moi. Ça va. Baba, je peux voir mon créateur. Ça va. Baba. Écoute. Tu dois nous dire tout ce qui s'est passé là-bas. Je veux savoir tout ce qui s'est passé durant cette orgie. Allez, parle! Baba, je crois que mon fantôme sort de moi. Il va sortir! Parle! Ok, je veux parler. Mon Dieu. Ouvre ta gueule et parle! Je me souviens du jour. Du jour où tout a commencé. Ce fameux jour, nous étions tous assis là. Catherine, Célestina et Laura. On déjeunait et on prenait des verres. Baba. Avant que je ne me rende compte de quoi que ce soit, Catherine avait commencé mon... Hey, tu sais que tout ce que tu veux dire, tu peux le dire sans mettre le nom de Catherine. Tu peux dire... Elle m'embrassait. C'est quoi ton problème? Tout ça à cause de Catherine. Tout ça à cause de ta femme. Problème. Vous me voulez demander de vous raconter l'histoire, non? Oh, mais tout laisse-moi vous raconter comment ça s'est passé. Raymond, tu dois te détendre. Ok, écoute. Je vais transférer 200 000 Naira dans ton compte. Célestina et Lara vont t'envoyer quoi qu'elles ont prévu de virer dans ton compte aussi. Écoute,
tu nous as rendu heureuse. Et nous devons te montrer à quel point nous le sommes. Écoute, tu dois te détendre. Sais-tu le nombre de mecs qui tueraient pour avoir ce genre d'opportunité à leur portée? Nous sommes juste des femmes mariées à des hommes, fortunées qui n'ont pas les capacités de nous satisfaire. Et nous devons te payer pour le faire et tu dois te contenter de cela, ok? C'est d'accord. Mais je ne coucherai plus avec vous trois. C'est stressant, je veux dire. Cette Célestina seule, elle est comme 10 femmes. Raymond, allez, tu ne peux pas dire cela. Ça ne peut pas être la dernière fois. C'est la première parmi plein d'autres moments à venir. Oui. Ah, bien, avant que je n'oublie. Demain, nous irons au spa, nous allons nous baigner. Et après, nous irons à la plage. Attends une minute. Et t'as déjà fait l'amour à la plage une fois? Ça doit être très excitant. Donc demain, c'est journée plage sexe pour toi et moi. Allez, relax. Allez. Catherine disait vrai. Nous avons commencé à avoir des orgies dans cette maison. Nous avons même commencé à nous voir en public. Pas comme auparavant, où je ne les voyais que l'une après l'autre. Néanmoins, elle faisait très attention de ne pas être vue ouvertement et s'assurait que les gens ne se doutent pas qu'il y avait plus que de l'amitié entre nous. Mais lorsque nous avons commencé à voir des orgies et à boire copieusement, nous avons perdu la tête. Et nous avons commencé à mal agir partout où on se trouvait. À cette période, je voulais et j'étais prêt à faire tout ce qu'elle me demandait de faire. Je veux dire, elle prenait soin de moi. Elle prenait carrément soin de moi. Elle me donnait une vie que je ne pouvais qu'avoir dans mes rêves. Toujours est-il qu'elle était mariée, pas moi. Donc, si elle voulait m'embrasser, me faire des câlins, me bégoter, danser avec moi ou avoir du sexe avec moi en public, mais attends, qui suis-je? Pauvre et petit Raymond, pour dire non, je veux dire, elle aurait fait exactement la même chose si les rôles étaient inversés. Dans ce dur pays. Est-ce pourquoi tu as couché avec ma femme derrière ta voiture, dans la rue au milieu de la nuit?
Est-ce pour ça? Hein? Réponds-moi! Oh. Parce que tu as commencé à la voir comme une prostituée? Ah, c'est pas vrai. Nous lui avons donné l'adresse de cette maison. Et l'avons supplié de suivre sa femme chaque fois qu'elle quittait la maison. Apparemment, il l'a fait. Parce qu'il est revenu pour nous dire qu'il avait attrapé sa femme en train de baiser sur le siège arrière de ta voiture. Bien. Si ce monsieur a suivi sa femme comme il le dit, il aurait dû le voir. Que c'est elle qui m'a fait l'amour et pas le contraire. Elle m'a forcé à avoir des rapports avec elle. Je veux dire, je n'étais même pas d'humeur à faire l'amour pour l'amour du ciel. Votre femme est un vampire. Nom de Dieu. Mais bon sang, j'ai été violé. J'ai été abusé. Elle abuse de moi, mais bon sang, vous ne le comprenez pas? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre là-dedans? Je te l'ai dit, c'est dangereux. Je pourrais faire un accident avec cette voiture. Mais on pourrait même mourir en faisant cela. Puisque tu t'es arrêté, on peut le faire là, tout de suite. Regarde, personne ne nous voit. Tout est calme. Faisons-le ici. Attends, t'es folle? Non, je ne le suis pas. Je veux dire, l'autre jour, Catherine et toi, vous avez fait l'amour sur la plage et sans moi. Alors, je voudrais également faire cette expérience à ciel ouvert avec toi. Ok, faisons-le ici. On peut le faire là, derrière. Nous sommes en route. Cette voiture n'est pas fumée. Elle est transparente. Les gens pourraient nous voir, d'accord? Non, non et non. Nous ne pouvons pas faire l'amour ici. Arrête. Quand on sera à la maison, on pourra faire l'amour. On pourra faire tout ce que tu veux. Je vais démarrer la voiture maintenant et on va rentrer. S'il te plaît, ne me touche plus. Je ne veux pas mourir, d'accord? Si tu essayes de faire ça, je vais sortir et je vais crier que tu essayes de me violer. C'est quoi ces conneries? Pardon, sors pour qu'on aille le faire là, derrière. Et que ce soit la dernière fois que tu me sous-estimes. Essaye encore ça et tu verras. J'aurais dû finir. Venir vous tuer, Lara et toi, ce soir-là. Mais... hélas, Fidélie et Austin m'ont dit qu'ils avaient orchestré et planifié de te tuer et t'envoyer dans la tombe. Je crois que j'aurais dû tuer cet homme ce soir-là. Écoute, nous ne voulions pas te mettre une balle. Parce que tu vois, ça aurait été très flagrant. Trop facile pour toi. Nous ne voulions non plus t'envoyer un toll parce que tu aurais pu avoir des gens influents de ton côté qui t'auraient aidé à t'en sortir. Et qu'après, tu apportes du déshonneur et du mépris à nos noms. Oh, on voulait pas de ça. Vous savez, ce n'est pas entièrement de ma faute. Je veux dire, je ne suis pas le seul à blâmer ici. Dis-nous qui d'autre doit être blâmé pour avoir couché avec nos femmes et nous foutre la honte. Vous devez aussi être tous blâmés. Vous devez être ceux qui devaient être attachés à cette chaise et menottés. Et non moi. C'est à cause de vous que je suis dans cette chaise maintenant. Vous devez être blâmés. Mais attendez. Répète ce que tu viens de dire. Je vais répéter ce que je venais de dire. Peut-être que vous êtes sourd. Peut-être que vous ne m'entendez pas assez. Vous devez être blâmés pour tout ce qui se passe à cet instant. Pour m'avoir attaché à cette chaise, oui, je le dis, vous devez être blâmé. Et vous, Austin, oui, vous. Vous, monsieur Austin, vous souvenez-vous de milliers de fois que votre femme a essayé de vous parler de votre vie sexuelle? Vous souvenez-vous de milliers de fois que votre femme a pleuré le soir? Vous souvenez-vous? Et à chaque fois qu'elle voulait vous parler, qu'avez-vous fait?
Vous avez menacé de la frapper. Vous avez menacé de la frapper après même qu'elle ait essayé de trouver des solutions pour vous. Elle est même allée jusqu'à chercher le thérapeute. Elle a voulu qu'ils aillent rencontrer le dit thérapeute pour résoudre le fameux problème sexuel. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Il a menacé de la frapper. Tout ce qu'elle a essayé de faire, c'était de trouver des solutions à leur problème de couple, à son problème de pénis. Merde. Écoute, écoute, attends un instant. Je suis sûr que tu ignores de quoi tu parles. Tu penses que c'est facile d'être un homme avec un minuscule pénis? Tu penses que c'est facile? L'une des choses avec laquelle j'ai dû me battre toute ma vie, raison pour laquelle je ne voulais pas de relation sexuelle avec Catherine quand on sortait ensemble. Et Catherine étant une tigresse au lit, voulait du sexe chaque jour qui passait. Et toi, tu es là, tu ne fais que parler. Bien, jeunes hommes, tout ce que vous auriez dû faire, c'était de parler avec vos femmes pour pouvoir trouver des solutions. Écoutez, on ne vous a pas amené ici pour supporter ce type. En effet, je suis un homme honorable et je dis toujours la vérité. Beaucoup. Et je n'ai dit que la vérité et rien d'autre que la vérité. Cher homme d'honneur, avec tout votre respect, savez-vous que cet homme ici présent, que cette peste bat sur sa femme? Quoi? Il l'a giflé parce que elle lui a parlé de son minuscule pénis. C'est un gros mensonge. Je n'ai jamais levé le petit doigt sur Catherine. Vous mentez. Jamais. C'est un énorme mensonge, mais vous mentez. Vous vous asseyez et vous racontez des salades. Mais vous n'êtes qu'un gros menteur. Vous battez votre femme tout le temps. Vous battez votre femme et j'ai des preuves de cela. Si vous me le permettez, je peux vous montrer mon téléphone, je peux vous montrer des photos. Il a battu et il lui a laissé carrément des bleus. Oh. Mais il a battu sa femme comme un vulgaire voleur. Cet homme-là n'est qu'un monstre. Et vous êtes assis là à vous raconter des conneries. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ne touche avec moi, d'accord? Ne touche jamais le faire. Est-ce que vous savez que tu devrais te foutre si elle essaie de continuer à se battre pour sa vie amoureuse? Qu'elle a dû se battre pour sa vie amoureuse? C'est à cause de votre petit pénis. Vous n'êtes pas assez un homme. Espèce de pauvre type. C'est vous qui devez être dans cette chaise avec ces menottes sur vos putains de mains. Espèce de pauvre con, mais putain. Putain. Pouvez-vous imaginer? Pouvez-vous imaginer? Je suis désolé qu'il t'ait fait ça. Cesse de pleurer, ok? Écoute, j'aimais Austin. Mais après ce soir, je ne pense pas qu'il y aura un consentement d'amour entre nous. Ne dis pas ce genre de choses, ok? Je sais que tu l'aimes encore. Tu l'aimes et ça doit rester ainsi. Je ne peux pas aimer un homme qui me bat. Surtout lorsque j'essaye de me battre pour que nos problèmes soient résolus. C'est bon. Je suis désolé. Ça va. Je pense que tu devrais essayer de lui parler. De trouver le bon moment. Mon Dieu, j'ai essayé à plusieurs occasions de parler à Austin. J'ai même essayé de lui donner les astuces pour nous aider, mais il ne fait que me repousser. Et cette nuit, il m'a giflé 2 fois. Et c'est quelque chose que je n'accepterai d'aucun homme. Je suis désolé, chérie. C'est bon, chérie. Cesse de pleurer. Ça va, ok? Je n'avais aucune idée que Catherine voulait nous aider. Après avoir été humiliée et embarrassée par plusieurs filles, chaque fois qu'elle voyait mon pénis, elle m'embarrassait et elle se moquait. Je croyais que c'était ce que Catherine essayait de faire. Probablement, c'est pourquoi j'ai réagi de la sorte. Non. Vous avez tort. Elle vous aimait. Et elle vous aime encore. Tout ce qu'il voulait, en fait, c'était juste une chance de faire marcher votre relation et d'avoir une meilleure vie sexuelle. Monsieur Félix, c'est moi qui avais acheté les comprimés pour booster la libido et le donner à votre femme pour qu'elle vous le donne.
tout ce qu'elle voulait, en fait, c'est que vous ayez une meilleure vie sexuelle. Pour vous aider à durer plus longtemps lors des rapports. Elle vous aime. Il a chassé les médicaments dans la cuvette des toilettes. Sans même nous donner une chance de voir si ça va marcher. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Pourquoi d'autre? Pour son égo stupide. Je n'ai jamais vu un homme ayant des problèmes, mais qui refuse de chercher les solutions. Je n'ai jamais vu de toute ma vie. Écoute, si tu me demandes... Calme-toi, ok? Il reviendra. Je n'en ai rien à faire. Je n'en ai rien à faire. Je n'en ai rien à faire de tout ce qu'il fait. D'ailleurs... J'étais toi. Et c'est tout ce qui m'importe en ce moment. Oui, tout à fait. En fait, je te veux maintenant. Viens. Attends, mais laisse-moi déposer ça. Je veux que tu me fasses... D'accord, mais laisse-moi d'abord déposer au moins ça, non? Ok. Ah. Dis-moi, bébé, qu'en est-il de la montre que je t'ai demandé de m'acheter? Je l'ai déjà achetée. Le livre va te l'apporter ces jours-ci. La noire? Mais tu m'avais pourtant dit ça, la noire. Non, la noire, mais attends, je t'ai montré la photo. Oh non. Ouais. Ok, je vais la prendre. Oui, en passant, dis, comment va ton mari? Quoi? Quoi? J'ai juste demandé, comment va ton mari? Que venais-tu juste de dire? Attends, attends un peu, ma chérie. J'ai juste demandé comment allait ton mari. T'as juste demandé comment va mon mari. Pourtant, je t'ai dit maintes fois de ne pas parler de lui quand nous sommes ensemble. Peut-être que mes avertissements n'ont pas de valeur pour que tu comprennes et respectes. Je suis désolée, ma chérie. Non. Ne me touche pas. Je te l'ai dit des milliers et des milliers de fois de ne plus le mentionner quand nous sommes ensemble. Cet homme est mon mari, que de nom. Ok, je suis encore désolée. D'accord? Je suis désolé, c'était juste une blague, ma chérie, hein? Je suis désolé. Ne me touche pas. Attends, bébé, laisse-moi te faire un truc que tu verras et le m'aimer. Crois-moi, bébé. Arrête de le mentionner. Ça te dirait 5 minutes de folie? Ah, bien sûr que je vais le faire. Tu le fais déjà. Jeunes hommes, je crois que vous devez le laisser partir. Ça, c'est une blague. Que se passe-t-il, les gars? Que fait encore ce vieil homme-ci? Samuel, tu viens de poser cette question à moi ou à Fidélix. Mais pour l'amour du ciel, tu es celui qui a employé cet homme incapable, qui nous a prouvé son incompétence. Écoutez, jeunes hommes, il a déjà tout dit en ce qui concerne cette affaire. Et il est tout autant fautif que vous tous. Bien. Écoutez, si ce jeune homme était un voleur, je l'aurais déjà déchiqueté en miettes il y a longtemps. Mais il ne l'est pas. Il a juste cité les incompétences que vous avez. Tous. Il est fautif autant que vous. Vraiment? Oui. Alors, dites-nous, nous sommes fautifs. Jeunes hommes, vous pensez que épouser une femme veut dire lui donner de l'argent? Non, ça veut dire plus que ça. Ça veut dire lui donner de l'émotion, de l'attention. Et vous ne le faites pas, ce jeune homme-là. Donner en effet de l'attention émotionnelle à vos épouses. Si vous me demandez, au lieu de le tuer, vous devriez le louer.
Je suis plus vieux et plus expérimenté que vous ne l'êtes. Si vous tuez ce jeune homme, vous deviendrez des meurtriers. À quoi bon le tuer? Ça ne résoudra aucun problème. Voyez-vous, mes braves, comment le sauriez-vous? Il pourrait avoir menti. Il pourrait avoir raconté des histoires. Mais le fait est que vous avez des problèmes avec vos femmes. Vous devez les résoudre. Bien, les enfants. Pour moi, j'en suis venu à la conclusion que vous aimez vos femmes. Et elles vous aiment aussi. C'est pourquoi elles ont essayé de trouver des solutions à vos problèmes sexuels. Le cas contraire, elles auraient divorcé de vous. Je suggère que vous rentrez faire la paix avec vos épouses. Mes fistons, je crois vraiment... Que j'ai fait, c'est pourquoi je suis venu. Il est temps que je m'en aille. Jeune homme. Tu as eu tort. Tu n'as absolument aucune excuse. Et aucune loi ne te soutiendra jamais de coucher avec les femmes des gens. Un conseil, hein? Demande-leur pardon, un à un. Tu seras libre. Fiston, je crois qu'il est temps de partir. Mes enfants, c'était vraiment un plaisir. Très bonne soirée. Bye bye. Tant de choses dans la vie d'un boucher. Oh mon Dieu, Raymond, que s'est-il passé? Tu m'as fait peur au téléphone, que se passe-t-il? Oh mon Dieu. Tout va bien? Regarde, on dirait que tu t'es fait attaquer par des voyous. Bébé, est-ce que ça va? Tu vas bien? Raymond. Vous pouvez sortir. Sortir? Comment ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Que veux-tu dire? Oh mon Dieu. Plus besoin de courir. Ok. C'est ça. C'est évident aux yeux de tous. Nous avons appris que vous, femmes, couchez avec cet homme. Mais nous sommes prêts à toutes vous pardonner. À une seule condition. Tout ce que nous vous demandons, c'est une seconde chance. Pour réparer notre mariage. Mais vous, femmes, vous devez nous promettre que cela ne se répétera plus jamais. Toi, nous te donnons juste 24 heures pour quitter la ville. J'espère bien ne plus te revoir dans les parages. Chérie, mais... Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. C'est bon. Désolée. Astine, je te demande pardon. Désolée, bon. Bébé. Bébé, je te jure que je suis désolée. Pardonne-moi. Je vais tout expliquer.
Pardonne-moi, c'est bon, je t'en prie. Je ne veux pas parler de ça. Pardonne-moi. Je comprends.